bouger. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a tombé? C'est pas, c'est quelque chose derrière dans le bordel là. Tu vois, Alice au pays des merveilles, vous êtes le trou. Tu vois là, y a rien dans le décor parce que tout est derrière. Tout le reste de cette ville est derrière. Bonjour Zippy, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien et vous? Et demain, ça va très bien. Tiens, très bien. Qu'est-ce que quoi? Comment on s'appelle déjà? Tasters. Oh, on est l'été. Mais pourquoi on a, pourquoi on avait ce nom-là? Parce qu'on goûtait, je crois. Oh, mais qu'on le fait pas eh du ben, tout. Goûtons pour les... alors. Oh mais excellent. On va goûter des gâteaux qui sont pas la vraie marque. Mais peu importe, je le mets dans l'autre sens comme ça. Comme ça on voit rien. Mais de toute façon, qui veut nous regardez notre nombre de vues. Qui veut nous sponsoriser? Qui veut notre audience? Entre le sponsor et nous, c'est nous qui voulons leur audience. Revenons en enfance, car aujourd'hui, c'est le je sais plus combien suite épisode. De la petite série vidéo où on vous fait découvrir nos jeux d'enfance. Exactement. On vous avait fait les Pog, on vous a fait le Mario Party conçu par nos petites mains. On avait fait les cailloux. Les Oofballs. Et cette fois-ci, on va vous présenter... C'est le Mario Kart Bille. Comment ça, un Mario Kart Bille? Bah, je sais pas trop, finalement. Mais non, il est bien là. Mais oui, enfin, mais il va falloir sortir les billes en fait. Eh ben on le met là. Bah oui. Tasters ASMR. Les règles, elles sont simples. T'arrêtes les conneries là. Explique-moi les règles. Mais tu me parles meilleur. Mais... Bah ok, je vais le faire si tu veux. Alors... Tu te rends compte de ce qui se passe? Il y en avait là, je viens de les enlever pour que t'en remettes la seconde qui suit. C'est la symbiose inversée. Alors, nous, eh bien, chaque bille, figurez-vous. Allez-y, figurez-vous. Si vous avez été enfant un jour, vous avez sûrement joué aux billes. Ah non, moi je suis né à 16 ans directement. C'est à 16 ans? Ah ouais, c'est rare, non? Et donc, eh ben les règles, eh ben chaque bille, on a décidé que certaines billes représentaient des personnages de Mario. Mario c'est une bille rouge, Luigi c'est une bille verte, Wario... Enfin voilà, il y a tous les personnages de Mario avec Bowser. Donc tous les personnages vont être, vont faire des tours. Ce n'est pas une course évidemment. Non, c'est pas une course. C'est pas une course. C'est un espèce de battle royale. Mais en vrai, on avait littéralement inventé le concept du battle royale avant. Bien avant tout le monde. Nous avons d'autres jeux à vous montrer avec des animaux, avec d'autres billes, etc. qui sont des battle royale. Mais ce n'est pas pour cette vidéo. Doucement. Tranquille. Il y a un cube objet. Il y a des comme il est beau. Si vous avez moins de 12 ans, ce cube objet est plus vieux que vous. On va mettre toutes les billes sur le circuit. Exactement. Et on va toutes les faire tourner en même temps. La première qui touche l'objet, elle a droit à un objet. Putain, c'est bien. C'est bien expliqué. C'est logique et tout. Mais moi je peux avoir un objet aussi. Bah et pour ça il faut jouer. Quand un personnage touche le dé, il aura le droit à un objet. On lance le dé pour savoir sur quel papier. Exactement. Et donc cet objet là, on va avoir les règles là dessus. Par exemple, imaginons que là j'ai fait 2x1 l'objet 1 sur la feuille 1. C'est une carapace verte. Carapace verte. Et ben on la lance et celui qui est touché par la carapace verte, l'un de nous deux va le faire sauter comme ça. On a beaucoup plus, c'est pour savoir lequel. Je vais la refaire. Je pense que personne ici a compris les règles, donc je vais la refaire. Bah, juste, on met toutes les billes sur la piste, on fait faire des tours, et il faut être le dernier à rester dessus, parce que si tu sors de la piste, t'es éliminé. Puis les objets, bah, c'est pour pimenter la course, quoi. C'était pourtant si simple. On a mis 10 minutes, là, à expliquer la même chose mal. Ah, ça c'est le palmarès. Ah mais oui, t'avais noté les victoires de tout le monde. Celui qui a le plus de victoires pour l'instant. Le favori de ce tournoi. Mario et Yoshi à égalité. Quel perso tu prends? Bibi Bowser, Bowser et Pura Piranha. Ok, on en prend 3 du coup. Bah moi je vais faire Donkey Diddy. Je prends tout pas. Et les autres persos on les laisse. Ouais. Allez c'est parti. C'est parti et on rappelle, ah il y en a eu un là, lui. Tu lances le dé pour Monsieur Wabou, il a eu un objet. Hop là, hein. Et c'est un truc de fou. Et bah c'est carapace verte. Et bah regarde, hop là. Ah bah attends, il y a eu un décédé déjà. Là qui suit est décédé. Et ben bah, hop, on envoie et puis la carapace, elle a touché lui. Voilà, ça c'est un saut. Ah bah encore lui, il vient de revoir. Ah bon? Wabou, il... Un objet pour Wabou. Numéro 3, donc c'est le pingouin. Et alors qu'est-ce que ça fait le pingouin? Lance-le pas fort dans le sens désiré, celui qui se le prend explose. Lance-le pas fort. Hop là, et on le lance par là. Allez. Ah bah c'est lui. Ah mince, ah bah il est... Hop les hop, c'est parti. Attends, c'est continu. Ouais, il y a un décédé. Ouais, il y en a un autre. Ah bah, et c'est combien? 5. Waouh, c'est le hélico mascasse. En vol pour 3 tours, allez, cassez-vous. Ah d'accord, il prend plus de risques. Ouais, pendant 3 tours. Personne touche. Et non.
Non. Si, lui, Didi. 5, le D5, c'est un Twomp. Élimine un concurrent tiré au sort. Et comment tu le tires au sort? Je sais pas. Droite ou gauche? Gauche. On garde cela. Droite ou gauche? Gauche. Droite ou gauche? Gauche. Droite. Hop, éliminé. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse sur ce jeu? Ah, et lui? C'est Bowser Squelette. Vas-y, le dé. Le dé Bowser Squelette, il a un champi double. Forme un clone au personnage. Le champi double qui est un objet qu'on a inventé qui apparemment existe maintenant. Bah, c'est pas un champi, c'est la cerise quoi. Donc du coup, il y a deux Bowser Squelette maintenant. Et si s'il y en a un qui décède, eh ben, il en reste quand même. Il en reste quand même, hein. Oula, il y a deux décédés là. Il y a eu deux objets ou pas? Lui? Oui. Bah vas-y. Objet pour Diddy Kong. Champi d'invisibilité. Votre personnage devient invisible durant 3 objets et ne peut rien se prendre sauf le bloc pot ou l'éclair. Hop là, tu nous mets le truc un peu plus proche là, voilà, comme ça là. Ah. C'est lui. C'est Luigi. C'est Luigi. 3, un bloops touche tout le monde, tous les concurrents explosent. Oh la vache. C'est violent. C'est vénère. Eh ben, tu sais quoi, tu vas faire la moitié, je vais faire la moitié aussi. 1, 2, 3. Vas-y, ça passe. 1, 2, 3. Ah, décédé. 1, 2, 3. Oh non, je t'ai fait perdre Bowser. Ah bah zut alors. Je m'en veux. Je vais t'en vouloir beaucoup très longtemps. 1, 2, 3. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'exécuter des juifs. 1, 2, c'est horrible. C'est sorti tout ça. Ça va pas passer ça. Bah tiens, tu vas faire le dernier. 1, 2, 3. Oh. Il a survie. Tiens, lui, il a eu un objet. Le 2, 6. Le pow. Ça, c'est genre on... Ouais, je crois. Bloc pow, comme un tremblement de terre, cause un tremblement de terre sur le circuit. J'ai écrit très mal. C'est, moi, j'envoie, et toi, quand il passe, toi, tu soulèves. Eh ben, personne, ils sont tous bien... 3. 1, 2, 3, c'est le cube farce. Et ça fait quoi? C'est, tu déposes un truc? Ah, tu lui, déposes voilà. Au milieu et le premier qui... Il peut rester longtemps. Et oui. Le premier qui c'est celui qui se le prend. Et lui, il revient lui aussi. Qu'un mec, il a terminé sa quarantaine et maintenant, il peut revenir sociabiliser. C'est bon, il a fait son PCR, ça va. Hop là! Aïe! Attends, il y a eux qui sont... Et Wario, il en a eu un. Ah, non, c'est Bowser Jr. C'est un éclair. Donne un coup de lancer plus fort. Bah, tu vas le faire, j'ai fait le pop, tu vas faire l'éclair. Ah bah c'était un éclair gentil, ça va là. Ah et lui, zoom. Oh, il a survécu. Oh, décédé. Ah t'as fait mourir ton propre... Mon DK. Mais non. Ton propre poulain. Je tue tout le monde. Il est mouru. C'est qu'il est mouru. Attends, il y a eu Harmony ou Kamek je crois. Combien? 4. C'est champi d'invisibilité. Indébilité. Indélébilité. Ah bah il est décédé. Il est tombé. Il est décédé, mais on l'a pas vu. Ouais. C'était invisible, ça n'a choqué personne. C'est ça. C'est vrai. Oh là. Harmonie, personnage grave sous-côté. Non, je crois pas. Personne en parle alors qu'elle est trop stylée. Mais si, tout le monde en parle, moi je trouve. Harmonie Power Tennis, t'as déjà vu? Harmonie. Mais non, mais y a pas non plus de Luigi Power Tennis. Mais y a Luigi's Mansion. Ouais. Y a Diddy Kong Racing. Et ouais, y a pas Harmony Racing. Si elle aime bien faire du shopping, c'est peut-être Harmony Dressing. Mais attends, mais je veux savoir, il reste qui? Il reste Mario, Luigi. Ah alors, c'est le Final Four. Le Final Four. Le Final Four, c'est le feu. C'est comme le Foo Fighters. Ça, c'est le Final Four. Le Four. C'est le Final Four. Et mais qu'est-ce qu'il se barre? On est en train de tourner, il se barre. Il me parle de Final Four, c'est les Foo Fighters, c'est le feu. Et je me barre. Voilà. Le feu. C'est le feu. Ah, le feu. C'est le Final Four. Très très bon album d'ailleurs au passage. Écoutez ça tout de suite, tu le connais pas? Mais arrête cette vidéo et écoute-le. Oui, c'est plus important. Il faut un système de boulis pour aller chercher. Bah oui, là. Alors, il y a Baby Bowser, Koopa, Diddy Kong et Mario. C'est ça notre Final Four, notre feu. Hop là. C'est parti. Écoute ça. Ah, je suis mort. J'avais cru que t'avais vu une araignée, moi. Bah, t'aurais fait le même bruit, je me suis dit. C'est Diddy Kong, il est mort, j'ai fait le cri du singe, tu vois. Donc c'est bien le cri du singe en fin de vie, ça c'est vraiment... Là c'est bien réalisé. Ah, franchement, j'ai imitation. Oh, Mario, objet. Objet, c'est une carapace rouge. Fonce sur l'adversaire de devant. Il n'y a personne devant, donc ouf là. Et continue. Et elle va plus vite. Mais non. Ah bah elle est déçue. Pas. Ah bah et ça a touché de lui. Ah bah non. Ah mais c'est la finale. Oui, c'est la finale. Parce que là... C'est lui, c'est mon poulain. Ouais, je ne joue plus, hein.
4. Ah, puisque c'est ça, je joue plus. C'est le Love Champi. Oh, mais non, mais ça veut dire que les deux. Mais c'est pas possible, il faut qu'il y ait un gagnant. Et on n'a même pas expliqué ce que c'était le Love Champi. Il me semble que le Love Champi, c'est en gros deux personnages sont liés. Et s'il y en a un qui meurt, l'autre meurt aussi. Un amour fou vous lie au perso de votre choix. Seule la mort vous sépare. Il vous arrivera tout ce qu'arrivera à votre amour et inversement. Si je décide d'aimer un personnage mort, c'est peut-être un peu nécrophile, mais est-ce que ça... Carrément, ouais. C'est pas légal, mais j'ai gagné. Ou alors on a deux gagnants comme dans Hunger Games. Ouais, ouais, voilà, on a qu'à dire ça. On a, et ben voilà, et ben on a deux gagnants. Eh, n'empêche, dans Hunger Games, il y a un gars, il s'appelle Pita. S'il va en Turquie, comment il fait? À chaque coin de rue, lui, on l'appelle. Il va pas en Turquie. Nous déclarons les deux vainqueurs. C'est la première fois qu'il y a deux. Mais il faut le noter sur le palmarès. Ah ouais, faut le noter sur le palmarès. Comme ils sont liés par l'amour, on va écrire ensemble. Avec la même main. Ouais. C'était qui? C'était Mario. C'est Mario. Bowser Junior, il est tout en Junior. C'est vraiment symbolique, hein. On avait plein d'autres objets, hein, qu'on avait inventés. Ouais. Moi, celui que j'aimais beaucoup, c'était par exemple le champi de résurrection. Ressuscite le concurrent éliminé de votre choix, qui vous donnera tous ces objets jusqu'à ce que vous ne soyez plus que 5 dans l'arène. C'est pas mal, ça, tu vois. Et il y avait le champi funèbre. Élimine tous les concurrents en lice, sauf le possesseur de l'objet. Et ressuscite tous les concurrents éliminés. C'est incroyable, et ça peut faire des retournements de situation. T'imagines, voilà, ils sont plus que 5. Même dans Mario Kart, c'est pas aussi injuste que ça, hein. Alors, la carapace bleue, j'aimerais bien qu'on en parle. J'ai envie qu'on aille voir ce gars-là dans sa chambre, son appartement. Il doit avoir un très beau loft, d'ailleurs, maintenant, ouais, lui, hein. J'imagine, ouais. J'arrive et je lui dis, avant de mourir, ta mère m'a dit que... Et je m'en vais. Et comme ça, toute sa vie, il va chercher. Ce gars-là, il m'a fait du mal pendant ma vie. Bah, c'est vrai que carapace bleue, c'est des traumas d'enfance, hein. Mais même ça, c'est moi pas aussi. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. C'était un petit jeu Mario Kart bille qu'on avait inventé pareil il y a des décennies et des décennies. Est-ce qu'on peut et des dire siècles qu'on a inventé un Mario Kart? Ouais. Non. Ouais, non. On espère que cette partie, cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous! C'est promis. Même moi, je vais m'abonner là. Merci d'avoir suivi cet épisode 2. On redécouvre des jeux de notre enfance et on vous les montre. Salutations. Et je vous fais des gros bisous. Ciao! À tes souhaits. Merci. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could.